Coucou, donc nous avons testé un deuxième radar Android Pokémesh. Bon, je crois qu'il est aussi sur la pomme, mais pas sûr. Donc on clique dessus. Enfin, si ça marche, hein, j'avoue, une fois, des fois, faut que je reboote. Donc on ouvre. Attention, ne jamais mettre son mail du jeu. Faut s'inscrire avec un autre mail. Je précise, sinon vous êtes banni direct. Enfin, direct, non, faut du temps, mais bon. Donc. Une fois sur deux de la pub, voilà, on enlève, voilà. Donc je vais me mettre là où il risque d'y avoir des Pokémon. Donc là c'est où je suis. On peut scanner là, ça scanne tout seul, hein. Sinon si tu veux aller ailleurs, bon, tu peux zoomer, hein, pareil, hop, voilà. Et si tu veux aller ailleurs, bah, tu zoomes et tu laisses appuyer. Hop, voilà. Voilà. Et ça scanne en fait tout seul automatiquement. Donc bah, je vais pas faire là parce que sinon vous allez pas voir parce qu'il n'y a jamais de Pokémon vers chez moi. Donc je vais essayer de faire un endroit dans Lyon pour ceux qui connaissent. Au moins vous verrez que ça marche. Lyon, Lyon, voilà, on y est. Bah, le parc de la Tête d'Or, hein. Tous ceux qui sont à Lyon savent que c'est là où on bave hein, dès qu'on y va. Hop. Bon, par contre, le rayon ne fait pas tout, hein. Mais bon, je pense que. Ah, peut-être plus par. Bon, j'essaierai à gauche après. Alors, par contre, on met option. Donc, divers paramètres. Voilà, on peut afficher les arènes si on veut. Les stops. Bon, moi, je m'en fous, hein. Les minuteurs. Différentes couleurs, tout ça. Bon, voilà, bon, personnellement, moi, je m'en fous. Hop. Et les Pokémon. Alors là, pareil, on choisit ce qu'on veut, par exemple. Tortank. On affiche sur la carte et notification. Moi, je dis les deux. Et si on veut pas, et ben on décoche comme ici. Donc, par contre, je vais mettre petit arbre, je sais qu'il y est, pour vous prouver que ça marche. Où est-ce qu'il est, petit arbre? Hop. Et je crois que le magma aussi il y est en bas. Je viens de le voir, magma. Donc on se dépêche avant qu'il disparaisse. Magma. Ah mais il apparaît déjà, ok. Voilà, donc malheureusement on n'a plus qu'à attendre. Alors là, il n'y a pas de minute 30, il marche automatiquement en fait. Il n'y a pas besoin de scanner, c'est ça qui est cool. Il scanne tout seul. Mais pareil, il faut attendre environ une minute, hein. Donc, bon, on attend. Bon, s'il n'y en a pas, par contre, je vais l'avoir comme un con. Hein. Mais normalement, il devrait en avoir un. Il devrait en avoir un. Bon, maintenant, je suis internet. Hein. On attend. Pour expliquer. Bon. Tu vois qu'il va pas en avoir, je suis dégoûté. Je fais un test et évidemment il n'y a aucun Pokémon. Mais normalement si, hein, il n'y a pas de. Bon après j'aurais peut-être dû mettre recool. Il y a tout le temps des recools. Bon, ceux qui connaissent Lyon, ils savent que c'est plus à gauche en fait que j'aurais dû mettre. Mais bon, maintenant que je scanne, hein, je sais pas, on va attendre une minute. Hein. Vous êtes patient, voyons. Alors, je sais pas combien de temps ça fait, parce qu'il n'y a pas de chronomètre en fait. Donc on va attendre une petite minute trente. Hein. Ben sinon vous faites accélérer la vidéo. Hein. Vous allez jusqu'à la fin puis vous verrez s'il y a quelque chose. Ah ben voilà, ça marchait. Neuneu et Magmar. Voilà. Voilà. Donc ça c'est normal qu'il reste une minute. Hein. Ça fait déjà longtemps qu'ils y sont. Hein. J'ai vu ça avec l'autre radar, donc c'est normal.
Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, puis bon, hop, vous zoomez, vous dézoomez. Si vous le retenez chez vous, hop, vous appuyez en bas, là, le petit rond. Ah non, le petit rond, c'est pour choisir où tu veux scanner. Ok, tu vois, j'apprends à prendre. Voilà, donc maintenant je repars chez moi, enfin à côté. Enfin, si je me retrouve. Je suis où là? C'est encore Lyon. Hop, voilà. Donc moi, je me remets là. Hop, et ça scanne tout seul. Maintenant, vous pouvez repartir en arrière. Et vous avez vu, hop, un petit truc est apparu là. Hop, vous le mettez où vous voulez, vous cliquez dessus. Il y a un petit overlay qui est apparu. Vous pouvez choisir la taille. Hein. Et il scanne toujours automatiquement. Alors vous pouvez fermer et il scanne toujours. Hein. Et dès qu'il y a quelque chose, hop, vous voyez, il le met en haut là. Ta 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 ta. Ça c'est autre chose. C'est aussi voilà. Donc ça marche en arrière-plan en fait. Et n'oubliez pas de ne pas mettre un mauvais email. Merci. Et c'est fini. Oui, on finit donc c'est comme ça.